Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau colcaise consacré à la demande de Elvira Alea Petitgas ou Gaz, je ne sais pas comment ça se prononce. Cette jeune femme de 20 ans a disparu de Nantes le 13 décembre 2017 et à ce jour, on ne sait pas grand-chose. La police hésite parfois entre disparition volontaire, mauvaise rencontre, peut-être un mélange des deux. Et ce que je vous propose, eh c'est de regarder ce qui a pu se passer ce 13 décembre 2017. On va, consac... On va commencer par le commencement. En réalité, reprendre tout à zéro, comme je le fais fréquemment. En fait, dans ces histoires de cold case, mieux vaut tout reprendre à zéro plutôt que de partir sur des hypothèses qui ont peut-être été erronées dès le départ. Regardons quelle est l'évolution de Léa en cette journée du 13 décembre 2017. L'idée elle est de voir si déjà il y a mauvaise rencontre ou pas. Ce qui a pu se passer, peut-être elle a pris une mauvaise nouvelle. Bref, je laisse un petit peu euh, tout ouvert pour comprendre ce qui a pu se passer. Alors, visiblement, la journée commençait mal. Commençait mal pour, euh, pour Léa. J'ai le sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle a ressenti une forme d'agressivité autour d'elle. Peut-être une prise de tête. Euh, bref, une contrariété. Tout part de là. Tout part de quelque chose qui ne va pas. Ça peut être tout bêtement une dispute. Hein, parce que Mars, ici, nous avons quand même l'agressivité. Ça répond très bien aussi à une dispute. Une dispute qui pourrait l'emmener justement à prendre des décisions qui sont euh, peut-être contraires à ses intérêts. On va le voir par la suite. Et elle se sent seule. Elle ne, sent... elle ne ressent pas d'aide autour d'elle. Visiblement... Léa pensait être quelque part aussi incomprise. Alors, avec ces éléments-là, je dirais que tous les éléments sont réunis déjà pour quelque part une disparition volontaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Là, on la sent mal dans sa peau. Mal dans sa peau suite à ça. Alors, ce qu'il faut se méfier, c'est de ne pas tirer de conclusion hâtive non plus. Une dispute parce que pour moi, nous sommes sur une dispute, une dispute assez violente, une contrariété assez violente. Euh, forcément, dans une jeune fille de 20, sur une jeune fille de 20 ans, on peut avoir ce genre de réaction où finalement, euh, cette jeune femme qui est assez frêle, hein, je, juste pour information, elle fait 1m47, euh, donc elle est petite, de petite taille, elle est fine de corpulence. Et quelque part, on peut avoir l'impression que... Elle se dit ça n'ira jamais, je me sens seule, j'ai personne. Vous voyez, on va dire un pétage de plomb pour le dire familièrement. Elle ne me semble pas être d'un caractère capable de prendre des décisions à l'emporte-pièce et pourtant, émotionnellement, quelque chose cloche. On va regarder si je fais fausse route ou pas. Là, l'oracle aurait conseillé de parler, de se confier. Alors, vous voyez, ce n'est pas qu'elle manque d'amis, elle ne manque pas de points d'appui, mais en fin de compte, c'est un état d'esprit où elle se dit, ça n'ira jamais, il n'y a personne pour me soutenir. Vous voyez, c'est tout un peu ce fait que tout soit opposé. Elle a visiblement des gens à qui elle peut parler, mais elle ne le fait pas. Et c'est une prise de recul. Il n'y a pas de mauvaise rencontre entre cette, cette journée du 13 décembre et Léa. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui prend de la distance sur une situation. Alors, vous me direz, que se passe-t-il Parce que là, nous avons effectivement la table, qui est plutôt quelque chose de convivial. Et puis, nous avons ici Campagne Santé qui indique qu'on souhaite prendre une prise de distance. Elle sait s'éloigner d'une situation qui est ici, qui est à la fois émotionnelle quand on dit oh, je, personne ne me comprend, personne ne m'aide, alors qu'on a des amis, voilà, clairement, et en même temps cette prise de tête. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de comprendre déjà avec qui cela peut être. Avec qui Léa a-t-elle cette, cette dispute Pour moi, c'est avec quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. J'aurais plutôt tendance à te dire un ami. Mais cet ami n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Quelqu'un qui est renfermé aussi. Très, très renfermé. Peut-être qu'on peut nommer parfois un taiseux. Il parle peu. Il parle peu, il garde beaucoup de choses pour lui. Il n'a pas parlé de cette dispute autour de lui. Mais elle le connaît depuis longtemps. Il est brun, secret. Et c'est de cette dispute que découle la suite des événements où Léa prend du recul. Essaye de, de, de penser, de réfléchir. Elle n'est pas dans la sagesse, vous savez, cette carte jupitérienne qui permet de, de prendre, de, de bien réfléchir, de bien poser les choses. Non, elle est dans une prise de recul physique aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Et c'est la question suivante. Donc on va demander à l'oracle comment a-t-elle évolué? Après cette cette nuit, cette prise de recul, comment Léa a-t-elle évolué? En fait, l'idée maintenant est de savoir ce qui a pu se passer parce que je vous rappelle quand même que elle n'a pas donné de nouvelles ni à sa famille ni à ses amis depuis le 13 décembre 2017. Et on retrouve le même point de départ, curieusement. Le même point de départ, la même agressivité. Et tout découle bien de là. Ça fait deux fois qu'on nous insiste là-dessus. Le point de départ de cette histoire est bien une dispute. Il y a un accrochage, il y a quelque chose qui fait que Léa prend la décision déjà de s'éloigner. On a vraiment presque l'impression d'une décision, non pas irréfléchie, mais c'est presque comme si elle avait quelque chose qu'elle doit régler, qu'elle doit régler dans l'urgence. Elle veut prendre du recul par rapport à la situation, et ce qui résonne bizarrement, c'est qu'en même temps, elle veut régler la situation. On va voir un petit peu ce que ça cache tout ça. Ça confirme que quelque part, ça la travaille. Cette dispute n'est pas anodine pour elle. Cette dispute, cette dispute ne la laisse pas en paix. Comme finalement, nous, quand on peut se disputer avec quelqu'un euh, sur une situation très importante, euh, à nos yeux, à ses yeux en tout cas, euh, eh bien, elle ne, peut pas, elle ne peut pas laisser ça ainsi. Ce n'est pas une, un coup de tête qu'elle prend. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Elle prend une décision qu'elle a mûrement réfléchie, qu'elle a réfléchie sur le coup, euh, même si ça a été rapide. Et je vous invite à bien revoir ce, cette carte qui était là, cette personne brune avec qui elle se dispute, qui est secret. Parce que j'insiste bien, la clé, elle est là. Cette prise de tête l'emmène à, à vouloir régler cette situation. L'oracle lui, lui aurait conseillé d'en parler à sa famille. Alors, deux hypothèses, est-ce est à dire que c'est par rapport à un membre de la famille Ou est-ce que c'est parce qu'elle aurait dû en parler à sa famille pour justement parler de cette situation Et que sa famille connaît la, la personne Là, j'avoue que l'oracle ne répond pas clairement là-dessus. Parce que c'est un conseil, en tout cas, qui dit qu'il faudra en parler à sa famille et on peut demander d'ailleurs pourquoi pourquoi Oléa aurait dû demander aurait dû en parler à sa famille parce que sa famille connaît cette personne et elle aussi cette fa sa famille connaît l'identité de la personne mais elle ne sait pas sa famille bien sûr que léa s'est pris la tête avec l'individu en question il y a quelque chose il y a de la dispute dans l'air parce que regardez nous avons quand même rappelez-vous la question c'est finalement comment évoluer cette situation après le départ de nantes de Léa. Je vous ai dit que tout à l'heure, elle prenait de la distance par rapport à Nantes. Elle voulait réfléchir, en même temps, elle prenait de la distance. Ce qui fait qu'on réfléchit, on a l'impression qu'elle réfléchissait en chemin. Et là, on la voit. On la voit se rendre. Pour moi, elle se rend face à cette personne, face à la situation de la personne. Ça veut dire que la personne n'est pas à Nantes. Elle se prend la tête la, avec une personne qui n'est pas, qui n'est pas sur place. Et elle y va remonter, je dirais, vous voyez, avec cette idée de, de s'expliquer, de, de, il y a vraiment une forme d'agressivité. Euh, on, est, on est à la fois dans on veut croiser le fer, et là on a les deux coqs qui se battent, euh, qui sont en opposition. Cette dispute n'est pas finie vis-à-vis -vis de cet homme. Cette contrariété, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit cet homme parce que pour moi, c'est un homme. Hein. Alors, vous voyez, on en est là. Donc, deux questions maintenant se posent. Puisque Léa a quitté Nantes et qu'elle a voulu s'expliquer avec cette personne. On a vu un petit peu des caractéristiques de la personne. Mais maintenant, où, est, où a eu lieu cette rencontre Et puis la deuxième question, c'est de savoir ce qu'est devenu Léa. Alors, on va essayer de regarder déjà où cette dispute... Avec autant de, de cartes martiennes, a-t-elle pu avoir lieu Où a-t-elle rencontré cet homme finalement Où les a-t-elle rencontré cet homme Dans quelle ville Il y a quelque chose de sage sur cette ville. C'était l'endroit le plus sage à, faire, à avoir la, dis, la, la, la discussion. Pour moi, nous sommes dans un endroit où il y a des gargouilles. Nous sommes près d'un, près d'une église, d'une cathédrale ou quelque chose comme ça, ou d'une abbaye. Dans quelle ville sommes-nous Alors, je marque un petit temps d'arrêt parce que j'essaie de, de, de me concentrer un petit peu sur ça. <laughs> Pardon. Pour moi, nous sommes, nous sommes près de la cathédrale. Nous sommes près de Notre-Dame de Paris. Ces gargouilles, quelque chose qui a disparu avec la fatalité, quelque chose qui a été fauché. Et le rouge m'évoque le feu. Donc l'oracle a été plus précis que ce que je ne demandais. Je demandais la ville. C'est vrai que maladroitement, j'ai posé la question où était-ce dans la première question. Et là, quelque part, l'oracle avec ses gargouilles m'a indiqué le lieu presque précisément. Sur le coup, c'est vrai que j'ai parlé de gargouilles. Il y en a sur beaucoup d'églises, hein, en fait. Hein. Mais pour l'oracle, il a considéré Notre-Dame de Paris. Il a considéré que, que c'était les gargouilles les plus importantes. Donc, Léa a fait cette rencontre donc près de Notre-Dame de Paris, dans le quartier de Notre-Dame de Paris. Mais maintenant, qu'est-elle devenue Donc elle a été sur Paris, soyons clairs. Hein, Qu'est devenue Léa Que s'est-il passé après cette rencontre entre Léa et cette personne avec qui elle se dispute En fait, j'essaie de savoir si elle est vivante ou pas. C'est déjà la première idée. Je vais regarder. Pour moi, Léa, ah, c'est une disparition volontaire. Elle a choisi de ne plus donner de nouvelles. Suite à cette dispute. Suite à ce qu'il s'est dit, elle a voulu couper les liens. Elle a voulu couper les liens avec tout ce qui a retenait en arrière. Et vous voyez, nous avons ici une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication, le réseau, les amis, les... tout ce que l'on veut. Et nous avons vol perte. Elle perd volontairement la communication. Volontairement parce que c'est la suite qui me le dit. Ce n'est pas la carte là. Ça aurait pu être une perte de parole suite à à la violente dispute, parce qu'il y a quand même une forme de violence dans les, dans les propos, dans, dans, dans les actions. Hein. Vous aviez vu, on avait deux cartes martiennes, c'est quand même une, sacrée, une, une agressivité, et répétée. Elle coupe les ponts, même si ça lui donne du regret quelque part. L'oracle lui dit tout simplement de d'aller vers où elle est en vie. Ça, ça ne dit pas grand-chose, je l'avoue. Mais regardez, il y a une forme d'incertitude ici avec ce cycle lunaire. Ce sont les émotions, ce sont les angoisses, c'est on avance sans savoir vers où on va. Et finalement, une, une disparition volontaire, c'est un peu ça. On prend la fuite et on ne sait pas vers où on va. Mais regardez, pour moi, il y a une histoire d'amour aussi là-dessous. Alors ça ne dit pas que l'histoire d'amour, elle l'a connue au moment de, de, de sa dispute, hein. elle peut l'avoir connue après. Mais pour moi, Léa n'est pas décédée. C'est une disparition volontaire. Elle a fait ce choix de prendre une autre direction et de laisser tout derrière elle. Alors la dernière question que je vais poser à l'oracle, c'est de savoir... Dans quelle ville se trouve Léa C'est une grande ville. C'est une grande ville, très grande ville, avec une banlieue autour d'elle. Alors ça évoque forcément une grande métropole. Que se passe-t-il dans cette ville actuellement Donc vous voyez, avec cette carte, j'ai voulu voir si elle était à Paris. Or, Paris, c'est une ville où il y a beaucoup de manifestations actuellement. Si j'avais eu quelque chose avec de l'agressivité, j'aurais pu le dire. Pour moi, nous sommes dans une grande ville avec effectivement une banlieue, des choses comme ça. Nous ne sommes pas à Marseille non plus parce que Marseille, on a eu l'histoire de l'effondrement de, de l'immeuble. Pour moi, l'oracle aurait donné une indication. Alors vous me direz, il y en reste d'autres. Il y en reste d'autres, oui. Et je vois deux villes possibles, Lyon et Bordeaux. Ce sont dans ces deux villes-là, dans une de ces deux villes-là, que Léa... Et vivante comment elle est à dans sa vie en général actuellement elle apporte beaucoup de changements elle évolue énormément elle ne semble pas malheureuse voyez là on ne, on ne la voit pas spécialement heureuse hein, on aurait une carte plus plus agréable mais elle apporte beaucoup de changements et quelque part elle vit une vie qui l'emmène à, à, à progresser, si vous voulez, qui, qui l'emmène à, à, à se sentir de mieux en mieux. Alors, Léa n'a pas fait tout ça, on va dire, euh, sur un coup de tête. Hein. Non, elle a voulu régler une situation et elle s'est retrouvée de fil en aiguille sur quelque chose qu'elle avait visiblement en tête quand même. Il y a une part d'incertitude, c'est vrai, cette dispute n'était pas prévue. Mais, comme je vous l'ai dit, je ne la sentais pas au départ capable de prendre des décisions sur un coup de tête. Ce qui me semble m'évoquer une personne qui avait déjà euh, pensé à une disparition volontaire. Mais je ne la vois pas du tout avoir fait une mauvaise rencontre au sens où elle a perdu la vie. Pas dans ce sens là non alors voilà je je veux close ce dossier je close ce call j'espère que cela vous aura intéressé bon pour une fois on ne se termine pas avec un décès c'est bien ça change je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un pour un nouveau call case et pour de nouvelles vidéos si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, euh, n'hésitez pas à partager. Et puis je vous donne rendez-vous à, à très bientôt. Allez, je vous embrasse tous.